Il est 7h30 du matin. Nous sommes sur la route principale qui mène à Bubanza, séparant le quartier Mutakura et Chibitoke. Des objets brûlés étaient déjà en flammes. C'était au niveau de la première avenue au quartier Mutakura. À quelques mètres plus loin, quartier 9, au niveau du bar communément appelé chez commune, les gens étaient en train de contempler un bus de transport de type Quaster brûlé pendant la soirée de ce lundi. À la 12e avenue, quartier Mutakula, commune Buterere, des barricades y avaient été érigées en pleine route et à plusieurs endroits. À Buterere 2, des militaires étaient sur place. Visiblement, ils étaient comme des spectateurs de ce mouvement de protestation contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza. Les habitants de la localité de Buterere 1 nous ont affirmé que les policiers avaient tiré des balles réelles sur les manifestants, les participants à ce mouvement de protestation contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza à la tête de l'État recommandent au chef de l'État actuel de renoncer à sa candidature pour l'honneur de son peuple. Ils disent être déterminés à lutter contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Dans la localité du site Kiyange, à proximité du collège communal, les manifestants et les policiers étaient face à face et des coups de feu ont été entendus. Ainsi, les manifestants ont failli se faire justice. Ils ont attrapé une policière, l'accusant d'avoir tiré sur un des manifestants. Mais ils ont fini par la remettre à ses compagnons d'armes. Après les affrontements, les policiers se sont repris. En renfort, d'autres policiers sont venus et des coups de gaz lacrymogène ont été tirés sur les manifestants. Lors de ce mouvement de contestation, une personne a été tuée par balle. Il y a eu également des blessés, dont un cas grave.